Resident Evil. Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons sur Resident Evil 7. Eh oui, Zucker, Zucker. Donc là, on va tout simplement faire... Bon, comme vous avez pu le voir, j'avais en fait fini les jeux. Mais pour vous, ça ne sera pas vraiment le cas. Vous aurez en fait les deux fins possibles. J'espère que je vais pouvoir la faire, cette deuxième fin. Donc c'est parti, on va prendre le Zalbert. Et comme ça, bah, on va pouvoir voir la puissance. Ce qui veut dire que ce pistolet ne sert plus à rien. Parce que avec le Albert, tout est plus clair grâce à lui. Ah oui, ça je peux vous le dire, c'est très très violent. De la poudre à canon, j'en ai quand même pas mal. Je pourrais éventuellement faire de bonnes munitions. Parce que j'ai pas l'impression d'en avoir. Ah si, il y en a. Bon, on va les prendre. Et on va en faire. Parce que voilà, faut pas déconner. C'est le Albert. Du coup, fusil à pompe, on peut toujours garder. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors ça, on peut gicler, ça, on peut gicler. Après, non, qu'est-ce que j'ai à faire? Alors. Ah, on peut déplacer direct comme ça, trop bien. Trop merveilleux. Le petit couteau. Non. Ah. Voilà, c'est mieux. Alors, le couteau en haut. Ça, monsieur, sur le côté. Ça, de l'autre côté. Voilà. Donc, du coup, on va devoir attaquer un monsieur. Pas des moines, d'ailleurs. Ok, donc là, c'est parfait. Qu'est-ce que ça fait? Ah oui, ça fait des balles classiques. Ça fait des balles classiques. Donc, on va récupérer ceci. Et lui là. Voilà. Et là, normalement, je promets rien. Hein. Mais je pense que... Ça va piquer. Voilà. Je vous l'ai dit. Ça va picouille. J'avais pris les... Non, j'avais pas pris le bras et la tête. Donc faut prendre bien évidemment le bras et la tête. Et puis voilà. Puis après c'est parti, quoi. Le bras et la tête... La petite tête, voilà. Le petit bras. Et c'est parti. Bien évidemment, on est toujours en live. Hein. Oh. Mia. Zoé. Zoé. Pas maintenant. On n'a pas le temps. Bah oui. Est-ce que tu as les ingrédients? Je les ai. Ça suffira, non? Si on les fabrique assez vite. Mon père et Lucas ne sont pas loin. Il arrive. Papa arrive. Bien. Il y en a assez pour deux. Ouais, pour deux. Je vais t'aider. Bon, on fait le sérum et ensuite. Il y a un bateau dehors. On traversera le marais avec. Mais aucun de nous n'ira loin sans le sérum. Le sérum ? Il y en a un pour moi. Non. Tu attendras pour le combat. T'es pas très gentil, hein? Fuyons! Oh. Non, j'ai loupé. Oui. Non, déjà loupé. Ouais, tu complotes, oui. Ça devient lourd, Jack. Voilà, ça c'est beau, ça. Faut pas faire ça, Pépère. C'est la meilleure façon de te prendre des coups dans la figure. Ok, je t'ai dit, tu vas te prendre des coups, hein. On va prendre des balles améliorées.
Marie. Oh bah là t'es mort hein. Quoi? Ah bon? Ah ouais quand même. Bon c'est calme monsieur. Ah salaud. Bien. Protection. Ça pue quand même hein. D'ailleurs j'aurais dû le prendre le bouquin. Ah j'ai loupé. Aïe. Pauvre petit. Oh petite shoot. Je te demande la faveur. Ça fait mal, hein? Bah oui. Oh! Ça pique quand même, hein? Fais pas trop le bonhomme, hein? Esquive. Hutton! Full avec la co. Oh pitié. Oh pitié. On se calme. Oui. Viens. N'aie pas peur. Toi non plus, n'aie pas peur. Si, hein, t'as des nanailles partout. Tu vas t'enterrer. Petite Fiat. Ah non. Ça veut dire qu'il y a encore un nanaille. Il est là. Nanaille. Nanaille. Arrête. Oh. Prends ça. Eh hey, mais il y en a encore un. Bon il est où? Aïe. Arrête de bouger. Tu. Arrête de gesticuler. Ah bah ouais, bah là je le voyais pas celui-là. Ah bah non. Ah bah non, ça c'est pas très pratique si tu me caches tes fesses. Mais. Ok. Tu fais partie de la famille maintenant. Ouais, j'ai fait partie de la famille. Mission. Je vais t'attraper. Non, tu m'attrapes, papa. Je m'en vais. Je me fuis. Remonte-toi. Remonte. Je peux pas te tirer dessus si tu remontes pas, monsieur. Tiens. Allez, arrête. Jacques, je ne veux pas te faire mal, je veux juste te tuer. C'est bon. C'est bien, Jacques. Je comprends. Non, mais si je rate aussi. Ouais, deux pistes, tout à fait, oui. Et voilà. Étoile vaut pas de chiasse. Saleté. Il va disparaître. Aouh. Aouh. Non, non, non. Ah non, pas maintenant, hein. Oh non, tu sors où, là? Bon, d'accord. Ouais, tiens, j'ai réussi. Un pic, le nanaï. Tapez, nanaï. Nanaï, il est mort. Dépêche-toi, je veux m'enfuir. J'ai tout vu. Zoé, aide-moi. Ethan, par ici. Oh, bah,
le sérum sur lui. Et prends ça. Transformation. Kawabunga activé. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ouais. Allez, viens, Mia nous attend. Bon, on avait trouvé, enfin, on avait utilisé Mia. Cette fois-ci, ce sera pas Mia. J'ai dû en utiliser un. Il n'en reste plus qu'un. Pas pour toi. Dis-moi que c'est pas vrai. Si c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, je me la jette et je me casse. Mia, je suis désolé, mais tu as déjà eu ton quart d'heure de gloire. Je suis désolé. Sincèrement, mais Zoé pourra nous guider vers un endroit sûr et ensuite je pourrai venir te chercher. Va-t'en. Je veux rien entendre. Partez tous les Mia. Deux. Allez-vous-en. À quoi la place est ici, avec elle. Ne sois pas ridicule. T'as oublié? J'ai un travail à finir. Et malheureusement, on peut pas partager la seringue en deux. J'aurais voulu, hein. J'aurais voulu. Mais je ne peux pas. Merci. J'arrive pas à croire que tu m'aies choisi. Vaut mieux éviter Mia pour l'instant. Mais on a peut-être une chance de s'en sortir. J'imagine que oui. Je veux savoir ce que tout cela signifie. À commencer par Mia. Mia est venue ici avec Evelyn. C'est là que ça a commencé. Evelyn. La gamine. Je savais que Mia cachait quelque chose. Là. C'est le bateau à bord duquel Mia et Evelyn sont venus. Quoi? Mais... ils sont venus avec ça. Allons jeter un œil. Je ne retourne pas là-dedans. Je dois savoir ce que faisait Mia. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est elle! Evelyn ne veut pas nous laisser partir. Ah non! Non! Evie! Oui. Pitié! Oui. Evie! Je ferai ça, je... Zoé! Je promets. Zoé! Oh, oh merde! Maman... par ici... Gold! Zoé n'est pas sauvée, malheureusement. Ethan? Ethan? Ah! Ethan! Ethan! Ok. Allez-y. Fouillons. Oh
Donc là, on a rien du tout, hein. On peut regarder l'inventaire, voilà, on a juste une petite chose qui sera très utile pour la suite. C'est tout ce que je peux vous dire. Du cauchemar qui commence. Une belle brochette de bonhomme, hein, bien entendu. Voilà, on y est. Là, je peux pas passer. Là, je peux passer. Voilà. La capitaine de l'équipage, etc. On va pas là, on n'est pas là pour tout regarder. Par contre, bonjour, voilà. Il est caché pour quelque chose. Ça, c'est par rapport à une cassette. Je ne dirai pas plus. Voyons. Il faut le découvrir. Les toilettes. Et voilà. Donc là, c'est la photo du paquebot, du Rafio. Et voilà, c'est la mort. Petite peste. Est-ce que tu te souviens ? Quoi ? Qui as-tu ? Ouais, c'est un petit peu comme ça, tant la petite. Tu as dit qu'on pourrait être une famille. De quoi est-ce que tu parles ? Tu l'as dit ! Attends ! J'en ai assez d'attendre. Bonjour, petit ennemi. Au revoir. Aïe, 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 aïe. Ça suffit. On stoppe là. On arrête. Voilà. Là, il n'y a rien. Là, il va voir le pétard. Avec deux plus misérables balles. Et surtout, voilà, une petite sauvegarde. Donc, on va se mettre, voilà, à partir d'ici. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu pour cet épisode. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Resident Evil 7. Salut à tous.